se présentera lui-même. Je suis le prophète Élisée. Il invoquera le nom de l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi de ce monsieur, il est malade, il a la lèpre. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le lépreux. Le fleuve de Damas. J'ai dit, mais s'il a fait des problèmes, on a fini de l'eau. L'Abama est le Jourdain ici. Jourdain qui sent dans les lagunes. Chez nous, il y a l'Abama. Hein? Il y a le papa. Moi, hein? Donc, moi, je suis venu plonger dans le Jourdain. Hein? Moi, il va essayer de prier. Donc, c'est venu sur ce délit maintenant. Là. Il est déploré là. Quel rapport y a-t-il entre moi? Je suis malade. Et puis l'eau. Alors? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Je pourrais purifier l'eau chez moi. Et ils s'en retournaient et partaient avec une fureur. Fâché. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire. Mon père. C'est pas en fait l'armée où toi, tu passes, si les gens. C'est une question de Élisée qui t'a parlé. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, je n'ai pas dit d'ailleurs. Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lâche-toi. Et c'est ça votre problème. Vous ne faites pas ce que le prophète dit. Vous faites ce qui est dans votre cœur. Amen. Vous trouvez ça bizarre, mais c'est le prophétique. Tu n'iras pas dedans, tu n'as pas guérison. Élisée lui a dégagé la parole. Il dit, va plonger cette fois dans le Jourdain. Ça prend nous à laisser. Qui est malade? C'est toi qui es malade. Tu es fâché, c'est pour toi seul. Tu es fâché. Les gens sont venus dire, hey, monsieur, c'est pas une question de tout. C'est un prophète qui a parlé. Hein? Allez plonger. Il dit, mais c'est pas à cause de. Il disait, moi, mais je ne suis même pas content. Si je ne fais pas ça, j'allais dire, je suis têtu. Donc, j'ai essayé. Allons-y. Il descendit alors et se plongea. Comme le prophète a donné sa parole. Allons-y. Selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair le devint comme la chair d'un jeune enfant. Okay. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Ici, Naaman, c'était le chef de l'armée de la Syrie en son temps. Et frappé d'une lèpre. En Israël, quand tu as cette maladie, d'ailleurs, en cette époque-là, était une maladie incurable. Et quand tu es frappé de cette maladie, on te met hors du camp. Celui qui vient parler avec toi, il fait 7 jours de purification avant d'avoir l'accès à la synagogue. 7 jours, oui, c'est. Et quand tu passes, tu as une cloche dans les pieds. Je voulais te dire, impur, on te fuit. C'est pas une petite maladie. Hein. Lui, il avait déjà ça, fait commencer. Heureusement pour lui, il avait une servante juive dans la maison. C'est elle qui a parlé d'Élisée. Donc il s'est rendu en Israël. D'abord, il allait chez la maison de roi, et on l'a conduit chez Élisée. Et il était dans la chambre. Il a vu ça. Élisée, c'était quelqu'un de très puissant en matière prophétique. Il a déjà scanné ça. Mal. Donc il envoie son élève, Guyazi. Il va dire à ce monsieur, comme il est grand, il pense que l'église a sorti. C'est ça mon problème. Il a pensé, non, comme ils sont plus, il ne peut pas regarder. Il fait pitié. Oh. Il s'en fout d'avoir de pitié. Ce n'est pas une question de sentiment. Tu vois, quand tu parles de pitié, quand il y a les yeux, ça te presse. Élisée dit à Guyazi, va, dis à ce monsieur, de plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça dit, le ministère prophétique, le prophète, c'est un apporteur de solutions. Ce n'est pas un prieur. Et l'action prophétique, son école. Toi, tu es sur MTN. MTN, c'est 5 fois 5, c'est 5, c'est 4 fois 1. Si tu as loupé, tu as mis 2, ça bloque. Moi, c'est le code. Comment tu décodes ta vie? C'est ce qui m'intéresse. Quand vous êtes habitué au ministère des pasteurs, quand vous parlez de l'action prophétique, ça vous rend bizarre. Les prophètes, les amis de travail. Amen. Donc l'Élisée lui dit, va, ta maladie. Il dit, ah, mais moi je suis venu pour la prière. Je suis malade. J'ai l'air. On est qui prie. Tu écoutes, tu me dis, tu ne sont même pas venus d'aller plonger dans l'eau. Comme ça. Aïe, il y a qu'à aller plonger dans l'eau 7 fois. Je suis venu prier. C'est ça votre problème. Amen. Le prophète n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Il touche. Quelque chose va se produire dans ton corps. Il t'a touché. Quelque chose va se passer. Donc il est là. Il réfléchit. Quelle est l'action prophétique posée dans ta vie? C'est ça. S'il met du temps, pas parce qu'il se fout de toi. Il est dans le secret. Puis Dieu apporte quelque chose. Il fait ça où la merde. C'est ce qui fait que par moments je n'ai pas écouté d'autres personnes. Pourquoi? Moïse, Dieu dit à Moïse, parle au rocher,
comme les gens ont aidé Moïse, il a frappé le rocher. L'eau est sortie du rocher. C'était un miracle, mais tu n'étais pas dans le miracle. Sa cause de ça n'est pas rentrée à Canaan. Parce qu'il a écouté des gens. Moi, je ne vais pas vous écouter. Moi, j'ai dit pleurs, tu fais pitié, tu trembles, sur le point de mourir. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. C'est Dieu qui guérit. Je m'en fous du train. J'ai dit, oui. Je m'en fous de ça. Après, ils sont venus dire à Jésus, Lazare est malade. Il prend sur le point de mourir. Il est bâti. Il est laissé là. Et que les gens disent, mais c'est une grève. Je dis, mais il est une sorcière. Il n'est pas pitié de nous. Il a mangé nous bon. Maintenant, on fait déjeuner. Pour tout, il n'y a pas. Personne s'arrachit. Aujourd'hui, on est dans les problèmes, il ne vient pas. On est dans les problèmes, il ne vient pas. On a réglé son problème. On essaie l'homme. Petit, il mangeait, on donnait à Jésus là. Ils ont fait ça, vous faites parler avec ça. Il est venu chez nous, on a donné à manger. Nous, on a un problème. Il se fout de nous. Ok. Lui, il peut à distance dire aux gens de guérir. Donc, pour nous, là, ils s'en foutent de ça. Hein. Nos problèmes, là, ils s'en foutent. Non. Jésus n'agit pas sur les sangs. C'est-à-dire, il s'en fout de tes trucs. Il avait le rêve, il attendait le roquet de Dieu. Frère, vous n'êtes pas habitué à ministrer le prophète. Allez tous par nous. Tu peux faire deux, je peux te dire, viens. Toi, t'as pensé, j'en ai m'amuser à toi. Non, je ne m'amuse pas à toi. Ton dossier va voir à toi. Je ne suis pas comme les petits charlatans d'Abidjan, ou petits prophètes qui font des cellules de prière partout. Dans chaque maison, il y a cellules. C'est des marabouts. Et vous voyez, ils sont obligés de dire quelque chose. Moi, je ne suis pas obligé de dire quelque chose. Quand Dieu me dit, il dit. S'il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit. Tu ne vas pas me poser. Le prophète n'a rien dit. Je te veux qu'il dise quoi. Amen. Je ne suis pas obligé de dire. J'ai dit quand Dieu me demande de dire. Amen. C'est ça. Je dis quand. Et c'est pas le problème de Naaman. Il est venu là, il est chaud à la tête. Je sais qu'il m'a rien sorti à plus. Et puis il est guéri, c'est tout. L'honneur de son intéressement. C'est un prieur. Bah, plonge-toi 7 fois dans le jour. D'accord, il y a une ici. Et puis je suis là, c'est comme la lune. Hein. C'est rouge, il y a un sang, il y a un bizarre. Il moi. Allez plonger dans le Jourdain. Mais tu ne sais pas que toi, tu es un plus là. Lève, tu as assis toi, c'est plus que Jourdain. Amen. Amen. Dieu s'est senti, tu dis amen. Amen. Et vous savez que le vénère, c'est l'homme anti-vénéreux là, c'est le vénère en frappe pour te ingérer. C'est ça là? Hein? C'est comme ça? Par lui là, c'est quoi qu'on appelle le vénéreux, c'est qu'on appelle le vénéreux, c'est qu'on appelle. Hein? Qui fournit ça, le microbe là? Non, pas s'il fournit ça. C'est le parutus, c'est le microbe là même. De par lui là. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est le microbe. C'est-à-dire quand tu es malade, par lui là, c'est le microbe là qu'on prend et qu'on t'injecte. Vous n'avez pas là? C'est comme ça qu'on fait ça. Comme lui, il était ça. Mais oui. La lèpre, c'est une maladie impure en Israël. Quand tu vois, je fais comme quelque chose de ça. Mais tu es ça, tu vas plonger, tout l'eau là-bas, tu es libre. Il trouve que non, il y a l'eau qui est propre là-bas. Mais toi-même, tu es sale. Parce que la lèpre est considérée comme maladie impure. Il fallait seulement obéir. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de qu'est-ce que l'homme de Dieu fait maintenant. Déclare pour que tu sois digne. Parce que quand l'homme de Dieu déclare les choses, cela ne presse pas les hommes de Dieu. Non. Laisse l'homme de Dieu avoir l'inspiration. S'il n'a pas reçu ça aujourd'hui, il ne faut pas te presser. Jésus était assis pendant 4 jours. Il a dit allons-y, je vais le suivre. Les gens sont étonnés. Quand Jésus est rentré à Bethanie, ils l'ont accusé. Il les a bien mangé, nos deux chers. Il a eu des provinces et maintenant il vient. La veille est mort. Puis il est là pour manger son malheur. Mais comme la vie a fini là, il a mangé. Son gène l'a fait là, sinon elle est nourrie. Il a fait un gène sec, sinon elle a passé son plan de nourrir. Jésus avait 40 jours de gène. Donc sinon elle est nourrie, son gène sec. Amen. On dit, ah le gars vient, le gars peut vous donner à manger. Oui, il y a des problèmes de si vous allez laisser. Il y avait les nourris. Bouge l'homme. Petite nourriture t'a donné là. Il va prendre ça pour faire affaire. Parmi 10 secondes. Jésus est venu. Vous avez dit qu'il a guéri, vous l'avez mis, on dit, ah mon cher. C'est toi qui as fait qu'il est mort. Vous l'avez mis. Mais quand quelqu'un meurt, il meurt où?
C'est pas pour des questions, mais Jésus posait la vie. Il se foutait des gens. On dit les cadavres, il en est mort où? C'est pas comme ici à Évosène, où il y a Format. Non, il est mort. Tiens, il est mort. Amen. Amen. Jésus l'a ressuscité. Après Béthanie, vous avez... après Béthanie, Jésus est rentré à Jérusalem. Il est resté là jusqu'à ce qu'on arrête qu'il meure. Parce qu'il était loin de Jérusalem. Il est resté là. Et Jésus a ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Sans seulement que les autres personnes ont commencé à croire à sa résurrection. Frère, il faut comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, tu dois devenir un esprit. Dieu fait de toi un esprit. Si tu ne deviens pas un homme surnaturel, tu vas marcher à Dieu. Il ne faut pas être charnel. D'ailleurs, calcule tout avec Dieu. Non, ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Ils s'en foutent. Non, tu t'as dit. Oh. Le ciel a déjà ça. Oh, la foi, c'est une fermation de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas qui veut être prophète. Non, non, non et non. C'est pas qui veut. Non, tu es prophète. Tu es prophète comment? Vous voyez les petits rêves, les visions, les petits plans. Vous allez donner parole de connaissance, c'est venir des prophètes. Vous créez cellules. C'est dangereux. C'est pas qui veut le prophète. Et vous détruisez la vie des gens partout, partout et partout. Il y a des gens qui me cherchent. Le prophète dit quelque chose. Je dis, mais je n'ai rien dessus. Pourquoi pour moi, à mon tour, là, tu ne vois rien? Même quand il mange les marabouts, c'est comme ça. C'est comme ça, oh. C'est comme ça, moi, ici. C'est pour moi, là. Oh. Je vous ai dit, oh, pour moi, c'est comme ça. Le problème, là, c'est comme ça, pour moi. Partout, il n'y a pas d'envoi, rien. C'est comme ça, les sorciers, c'est comme ça, les sorciers, mon frère. Pourquoi on ne voit pas? Quelqu'un dit peut-être qu'on arrive, mais il ne voit pas pour moi. C'est comme ça. Laissez-nous vous donner les révélations de Dieu. Pourquoi on va pas prier pour vous donner? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez que quand dans un ministère là, tu mens beaucoup, tu ne vas jamais avancer. Les démons, quand on commence à parler, les démons disent une store, t'es un menteur. Oui, oui, aïe, quand tu mens, là, les démons ne te changent pas les corps. Là, ils savent qui est dans la vérité. Ils savent. Donc le ministère prophétique, écoutez. Donc l'action prophétique nécessite l'obéissance. Quand le prophète dit fais, tu dois obéir. Il est fâché, fâché. C'est ça votre problème. Vous êtes fâché souvent. Vous murmurez. Vous ne comprenez rien. Donc reste tranquille. Vous savez pas quand vous venez, c'est votre démon, c'est nous attaque. Je n'ai pas encore fini de gérer un combat. Moi, je suis venu sur le terrain comme ça. Amen. Allez, doucement. Je peux te dire, viens. Il y a des combats. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. C'est des combats. Il y a un prêtre qui est venu ici. Je suis en train de faire un combat avec lui de 6 mois. Il dit ton combat me prend 6 mois. Il n'y a pas de 6 mois. Dieu qui tombera la victoire. Amen. Les gens vont tomber. Amen. Amen. Jésus lui-même, qui est Jésus là, Dieu l'a envoyé en Égypte pendant des mois, des années pour tuer Hérode. Amen. Amen. Il y a des combats qui mettent le temps. Si on prend le temps, pas parce qu'on a mis du coup resté. Non, on va doucement. Pour régler une fois devant ton problème. Donc Naaman, Élisée dit à Naaman, va plonger dans le Jourdain. Comme chez lui, il fallait que le prophète prie. Il avait ça dans sa tête. C'est ça votre problème. Et quand vous venez voir le prophète, arrêtez vos histoires de programme. Peut-être. Oui, c'est le prophète qui conduit les choses. Amen. Amen. Vous venez le voir, c'est lui qui va conduire les choses. Je sais que par moi, vous pouvez être bénédiction. C'est lui qui a le problème en main. Donc c'est-à-dire, bon, d'accord, va gérer ton problème. Le problème. Et là, la Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques 20:20, écoutez très bien. N'ayez pas peur de cet esprit là. Hein? Il n'y a pas un sort, c'est même si la quête. Même si on lui met une injection de courage, il va mettre ici. S'il promet 10 sérums de courage, il ne peut pas mettre ici. Il n'a qu'à le prendre sérum de courage, plein, ici.
tu es à terre. Nous avons Jésus ici, c'est pas comédie. Un monsieur est venu en semaine à s'amuser. Il vient, c'est un mois de samedi, là-bas, il est parti chez moi à la maison. Il dit qu'il ne me connaît pas, mais il veut me voir. Il dit, je n'ai qu'à dégager. J'étais là au salon. Il dit, tu dégages. Mon lieu de service, là, ça va. Il est venu ici, il était assis là, il se transforme en panthère pour m'attaquer. Oui, je l'ai appelé, viens, monsieur. Comme tu es fort, à terre, il est à terre. Tu as fait quoi? Tu as gâté les enfants. Oui, il dit, mais on suit les gens. Ils ont suivi en direct, le combat en direct. Et puis il dit, toi, t'es fort. Ah, non, t'es venu là, tu t'es pas mis les mains. Moi, je sais. Tu es rassé, le monsieur. Faut venir, il vient plus. Il dit qu'aujourd'hui, il a disparu. Mais c'est comme ils disent. Amen. Amen. Alors, deux chroniques 20-20. Écoutez très bien, deux chroniques 20-20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Il vient vous dire en ses prophètes. Et vous réussirez. En ses prophètes. Ils ont la clé de la réussite. En ses prophètes. Confiez-vous. C'est-à-dire, quand tu dis confiez-vous, toi tu n'as pas un autre. Maintenant, c'est lui qui gère. C'est le prophète maintenant qui gère tout. Confiez-vous en ses prophètes. Les prophètes ont la clé de la réussite. Vous savez que le prophète, c'est un consultant. Quand il dit, fais ça. Amen. Il y a une femme à Abidjan, nous cherchons un problème. On l'a déclaré stérile. Elle est stérile. C'est fini. Stérile. C'est pas question de dire non. Mais les médecins n'y avaient plus faire enfant. Elle nous cherchait torche. Je donnais rendez-vous. Et puis un moment, je l'ai appelé. Moi-même, je l'ai appelé. Après des mois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Dieu va te donner enfant. Elle souriait. Je lui ai dit, Dieu. C'est pas comme il dit, j'en ai dit. Dieu va te donner enfant. Elle attendait à prier. Elle se met en genoux, j'ai prié. Il y a camisole, il faut prendre pain, la main, ça sous pain et sous robe là. Puis attache, il va à la maison. Il faut faire 7 jours comme ça. Comme si tu es enceinte. Elle me dit, prophète moi. Tu ne me connais pas bien. Moi. J'ai dit, mais c'est toi les frères. Chez nous, nous immeubles, les femmes ont fini ça. Ils ont fini un petit parler mal. Immeuble. Tu ne connais pas chez nous, prophète. Moi, j'ai fait ça. Non, mais je suis bon. Là, je comprends. C'est à cause de Pénina que Anna a eu sa mère. Sinon, elle connaît son mari, elle meurt tellement mal. C'est Pénina qu'on pense la persécuter, elle allait dans le temple, pleurer. Et puis, il disait le prophète, le sacrificateur, a donné la révélation. Tu comprends? Dieu aime tellement. Vous savez, si tu n'es pas persécuté, tu ne vas pas te bénir. Ça aide souvent. Amen. Amen. Sinon, tu allais taper les drômes en tant que voix pour les. Vous avez dit les sorciers, là, souvent, nous aident à chercher Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas sorcier, tu allais voir pour les. En train de courir derrière les femmes des gens. Amen. Amen. Je dis, va, c'est la parole pour que je suis convaincu que tu crois. Et puis d'ailleurs, Dieu va te donner des enfants. Elle dit, non, prophète, non. Il dit, ça apprend où elle est. Elle a réfléchi jusqu'à quand j'ai expliqué le problème de Pénina. Elle est descendue. Hein? Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours chose facile à supporter. Jésus dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Vous voyez la croix, la souffrance. Jésus, quand on a étudié la christologie, on a mis Jésus venu à la croix. Souvent on le voit, il dit qu'elle est sortie, excusez-moi Jésus, c'est à poil. On a mis Jésus à poil à la croix. Il voyait tout ça. 40 coups de verge. Quand on parle de verge, vous voyez, le truc là, il y a des crochets dedans. Quand tu fais comme ça, là, ta chair quitte. Oui. On ne peut pas mettre 40 coups, ce n'est pas possible. Jésus voyait tout ça. Maintenant, on doit le crucifier. Hein? Toi, il peut. Lui, il voyait tout ça. Il dit non, pas ma volonté. Moi, je ne veux pas ça avec. Que ta volonté soit faite. Souvent, on n'aime pas la volonté de Dieu. C'est la meilleure. Hein? Si, si. On vous a dit si. Ah, mais si. Derrière ça, il y a la gloire.
Amen. Parce qu'après la croix, il vient la gloire. Et c'est ça le problème des roses chrétiennes et des mystiques. Il parle de la rose et croix. C'est-à-dire une vie de rose et puis finir la croix, la seule meurt pour. Pour nous, c'est le contraire. Sinon, on finit croix, on finit rose après. Amen. Amen. Et il parle de rose et croix. Nous, on finit avec croix, on finit avec rose après. On te dit, lui qui est venu là, tu vas commencer par rose, hein, puis tu vas finir par croix. Nous, on commence par croix, on finit par rose. Ici, c'est parce qu'après la croix, vient la gloire. La souffrance. Pour que Dieu bénisse une personne, il va te passer par une école de souffrance. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui ont été bénis, ils ont connu la souffrance. C'est une école. Joseph, ma papa, c'est une école. Amen. Apprenez à supporter les choses de Dieu. Elle a accepté. Quand elle a démarré son affaire, là, persécution. Dans, vous savez, nous, les Africains, on a fini à ferrage.com. C'est-à-dire, ce qui ne nous intéresse pas, on s'intéresse à ça. C'est que le voisin a mangé. Et toi, tu descends du meuble, tu ne salues pas le voisin, tu dis que tu es orgueilleux. Les blancs, ils s'en foutent. Ils ne disent pas bonjour. Lui, il a même besoin de te dire bonjour. Ça n'intéresse pas. Mais nous, on va chercher le voisin. Voise, bonjour. Voise, bonjour. Il pose, il est orgueilleux, il ne dit pas bonjour aux gens. Tu connais pour eux le voisin. Il a tous les choses dans la tête. Tout le monde cherche même voisin. Voisin, ça va? Il est bien arrivé, je cherche un camarade. Lorsqu'on a fait là, tout le monde a dit, hé, la femme là, elle a enseigné depuis quand? Puis c'est sorti un coup. Pour être une insulte. Quel monde dit même, toujours, suite pour donner. On insulte dans le. Ça a pris tout le marché. Après, oui, hé, bouche de nous les noix. Tu m'as ça. Moi, j'ai préparé son mari, il est venu expliquer. Bon, et puis, il faut arriver après. C'est après la mec à moi, là, je vais. Oui, dis-y. Ils ont suivi ça jusqu'à l'arrivée, après le 8e jour. Ouh, persécution. C'est quel grosset qui rentre, ça s'en va. Persécution. De là, c'est pour elle. Allez supporter ça. Bouche des femmes. Il y a pressé du temps. Il y a parlé du temps, il y a pété du temps. Tout le monde t'insulte. Quand tu passes, on t'insulte. C'est quel grosset ça vient, ça s'en va. Là, tu veux quoi? C'est à elle où tu veux jouer. Tu veux jouer notre esprit. On a plus de temps. Tu manges, manger du monsieur dans le cadeau. C'est pas à nous d'en jouer. Toi, moi. Elle voyait tous ses morts, trois mois. Elle m'a fait. Il dit, va faire le test. Elle a fait le test positif. Elle l'a accepté. Elle ne croit pas. Quand elle est là, elle ne croit pas. Je lui dis, moi, je m'en fous de ta foi. Ça, c'est ma foi. Je m'en fous. Ce que Dieu m'a dit, là, c'est pas tout dans ta vie. Je m'en fous de ça. C'est sorti vrai, vrai. Je lui dis, c'est nous qui avons blagué. Couchez-moi là, nous, on envoie des gars. Elle voit les visites. Voit sur la bouche, quand. Demande à voir, qu'est-ce qu'elle a, quand elle accouche, est-ce que j'entends tout ça? Il y a association de l'immeuble, il y a un syndicat d'avocats, j'envoie les femmes. Tu veux accoucher en partie, en bébé. Elles sont allées dans la salle pour assister. Et cette fois-ci, hey, bouge de nous les noirs. On fait sorcellerie partout. Envoie. Elles sont allées assister, elles appellent les jumeaux. Amen. Un garçon, une fille. Amen. 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 Shalom. Amen. Que l'on prie. C'est facile pour elle, elle a payé le prix. Donc, là, quand le prophète te voit, il te donne une révélation. C'est tout. Voici ce qu'il doit faire pour que ça marche. Quand le prophète te dit ça, prends ça pour la foi. Amen. C'est un consultant. Il te donne la révélation de Dieu. Il faut que tu dises ça pour la foi. Amen. Alléluia. Donc, le prophète est dans les actions prophétiques. Tu peux même venir, je ne peux rien dire. Je peux prier, verser de lui, si toi, il dit va. C'est fini quand on a mis, c'est fini. Ah! Je n'ai pas dit choses. Qui me mange? Comment les gens me disent qui me mange? Qui c'est fini? Moi, il n'y a rien fait.
Mais dis-moi qui me marche. Va donner moyen. Si on te dit paix, il va te frapper. On a déjà géré le combat. Si il te dit qu'il te manque, le moins, il va te frapper et cadeau. Donc le prophète, il est dans les actions prophétiques. Et vous voyez, la puissance de lui dans son sens, c'est ce qu'il dit, c'est tellement puissant. Amen. Lui, vous voyez là, c'est tellement puissant. C'est comme lui le moteur. Sauf que les voitures, il faut toujours changer de lui. La Bible dit que je il m'arrose avec une huile fraîche. Quand vous êtes agressif spirituellement, c'est-à-dire qu'on t'agresse spirituellement, ça détruit ton aura. C'est-à-dire que quand il y a une bénédiction, ça ne vient pas vers toi. Et puis toi, tu dis tout que c'est bizarre. Tout ce qui est bon là, tu échoues dedans. C'est-à-dire que quelque part, tu es noisé. Donc l'action prophétique là vient actualiser ta vie. C'est-à-dire qu'on verse lui sur toi, ça neutralise tout ce qui est bon. Et puis ça actualise ta vie. C'est pour ça que le temps de Jésus, dans Marc 16, 6, le verset 13, allez-y. Au temps de Jésus, les disciples avaient ça. Ils marchaient avec ça. Prenez Marc 16, 6, verset 13. Au temps de Jésus. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Et ils guérissaient. Beaucoup d'huile de malades, ils les guérissaient. J'ai une maladie. Blocage, c'est une maladie. Tu n'arrives pas à penser, c'est une maladie. Dans les cas de plus de sorcellerie, là, il faut forcément l'onction d'huile. C'est tout. Amen. Amen. Il faut forcément l'onction. Il faut forcément une consécration pour te protéger. Devant les gens disent non, le Jésus, 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 c'est vrai, Jésus. Mais quelle est l'action qui a été faite? Oui. Quand l'ange de la mort devait détruire les premiers égyptiens, Dieu a demandé une action. Il dit tuez un agneau, prenez le sang, vous mettez les lintos des portes. Vous savez, le diable connaît les choses. Comme rien n'a été fait pour les frères, il t'amène, il t'agresse. Mais le jour où on prend le temps pour dire lui là, je le consacre à Dieu, c'est lui. Il te touche lui, parce qu'il sait qu'il a été consacré. C'est ça qu'il dit, ne touchez pas à mes points. Qu'est-ce qu'il a été fait? Rien. Non, à prier. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est ça que souvent vous échouez le combat. Prenez le psaume 89, verset 21. Vous allez comprendre. Psaume 89, verset 21. 89, verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le coin de mon huile sainte. Je le coin de mon huile sainte. Ma mère le soutiendra. Il dit, ma mère le soutiendra. Comme l'a reçu l'onction d'huile, c'est fini. Ma mère le soutiendra. Allons-y. Mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Il dit, l'ennemi ne va plus te surprendre. Et le méchant ne le brûlera point. Le méchant ne le brûlera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Alléluia. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Frapperai ceux qui le haïssent. Arrête-toi là. Amen. Amen. Allons-y. Vous l'avez mon bras le soutiendra. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Un ennemi, c'est qui? Il peut espérer les mots. Non, mais ça veut dire ceci. Un ennemi, c'est qui? Non, l'adversaire apparaît. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi. Mon ennemi, c'est qui? Non, c'est pas là. Celui qui combat. Celui qui te combat. Merci. Le prophète, ça. Celui qui te combat. Amen. Amen. L'ennemi. Amen. Allons-y. Et le méchant ne l'opprimera point. Ça, c'est qui? Celui qui veut te nuire. Tu vas pour parler, ah, non, moi, je vais le tuer. Vos histoires de pardon, je le tue. Ça, lui, n'est pas prêt pour toi-même. Du tout. Un méchant. Je fais très bien l'amour. Hein. Il parle d'ennemi et puis pas de méchant. Allons-y. J'écraserai devant lui, c'est l'adversaire. Ah, mais n'est pas l'adversaire. Un adversaire pas un ennemi. On va tous sortir. On mérite de divo. On est tous candidats. Lui est mon adversaire. Quand on finit avec ses amis, je suis devenu maire. Moi, on rit ensemble. On était adversaire, on s'insultait. Amen. Amen. Dieu dit, quand tu vas aller faire quelque chose, là, j'ai un adversaire, toi qui donne la victoire. Amen. Tu ne veux pas faire le combat. Tu fais le combat parce qu'il y a un adversaire sur toi.
Ce qu'il dit aux gens, c'est quand Jésus est plongé dans l'eau, qu'on l'a baptisé, qu'il est sorti, c'est là qu'il a vu l'esprit de Dieu sur lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Sinon, s'il n'était pas sorti de l'eau, il n'allait pas voir cette action. Même le baptême, c'est une action prophétique. Pourquoi on nous demande de baptiser? Pourtant, ce n'est pas ça. Le baptême ne s'ouvre pas. Mais ça règle beaucoup de choses dans le ciel. Amen. Ça te permet d'être enfant de Dieu. C'est comme une femme qui l'aime très bien. C'est ma femme. Ok, qu'est-ce que pour vous? On va aller à la mairie. Pour rien. C'est ma femme, on a prié. Vos petits disent, je t'aime, je t'aime. Tout n'est pas devant les parents, c'est zéro. Vois ça? Mais je l'aime. Qu'est-ce que pour vous? C'est comme ça. Qu'est-ce qui a été fait? C'est vrai, Jésus, Jésus. Mais quelle action a été menée sur toi? C'est pour ça que quand les présidents deviennent présidents de la République, on l'a voté, on l'a élu. Non? Qu'est-ce qu'on fait après? Prenez le serment. L'ordination du président. Si n'a pas fait ça, il n'est pas président. Vous jouez les choses spirituelles. Tout le monde sait qu'il est président. Mais cette cérémonie est cérémonie autour de tout ça. On dit l'ordination du président. On veut l'introniser. C'est pour ça que c'est spirituel. Si ça a été mal fait, ton trône l'apprend. Il y a des choses.